Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Idées de Biz. On va voir ensemble un petit récapitulatif des gains que j'ai fait sur Fédération Network. Donc Fédération Network, c'est une nouvelle entreprise qui a sa base dans l'immobilier participatif. Donc comment ça se passe? Eh bien, nous achetons, on va dire, ou plutôt nous investissons de l'argent dans des packs, ce qu'on appelle des packs d'investissement participatif. Donc, de ce fait, l'opportunité fédération va pouvoir avoir un financement de type crowdfunding, donc c'est-à-dire une levée de fonds participatifs de la part des membres actionnaires, c'est-à-dire nous-mêmes. Et à partir du moment où ils ont des fonds levés, eh bien, des banques comme Citibank, Barclays et HSBC vont pouvoir leur octroyer un crédit, okay, donc allouer un crédit pour acheter de l'immobilier, le louer, le vendre, etc. Et donc en faire bénéficier les membres comme nous, en partageant les bénéfices, bien entendu, entre la société et les membres actionnaires. Donc ça, c'est le résumé. Vous le retrouverez dans tous les cas sous la vidéo, vous enregistrez sur la newsletter pour pouvoir justement avoir les informations nécessaires si vous souhaitez investir ou pas. Et donc, je vais vous présenter un petit peu le back-office. Donc, pour ma part, j'ai commencé le 7 décembre 2023, donc ça n'est pas très longtemps. On est le 19 aujourd'hui, date à laquelle je fais cette vidéo. Donc, hier, j'avais 60 dollars, pardon, sur mon back-office en termes de gains, donc en quelques jours, c'est-à-dire en une dizaine de jours. Et donc, je les ai tout simplement réinvestis, comme on peut le voir ici. Donc, j'avais démarré avec un petit 50 dollars. Donc, on a à peu près des gains. On a tous les jours des gains, dans tous les cas. Mais moi, j'ai des gains, on va dire, entre le rendement de mes packs, mais aussi le rendement de la partie parrainage. Alors, je n'ai pas énormément de personnes qui m'ont rejoint dans cette activité. Ça fait tout juste 10 jours que j'en parle, mais j'en ai pas parlé encore. Convenablement, on va dire, je ne l'ai pas partagé à grande échelle sur YouTube. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde qui va rejoindre cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Déjà, d'une part, la participation est très faible en termes d'investissement. On peut commencer avec 50 dollars. Donc ça, apparemment, tout le monde peut les avoir dans sa poche. Après, bien entendu, ce n'est pas avec 50 dollars que vous allez forcément dégager un revenu rapidement. Mais vous pouvez éventuellement commencer dans l'activité et ensuite la partager comme je le fais moi autour. Ben, vous allez intéresser tout simplement d'autres personnes qui veulent faire comme vous. Et ainsi de suite. Donc plus tard, quand vous aurez un peu plus de fonds, vous mettrez 50, 100, etc., jusqu'à arriver à une certaine quantité de fonds qui vous permettra d'avoir un revenu actif entre les gains que vous allez faire à travers vos investissements, mais aussi les gains que vous allez faire au travers de tous vos filleuls directs et indirects. Il faut savoir en fait que dans la partie parrainage, c'est vraiment très intéressant parce qu'on reste dans le domaine de l'affiliation. Chaque filleul direct va vous rapporter 10% à partir de leur dépôt, c'est-à-dire à partir du moment où, par exemple, une personne pose 100 dollars, bah, vous gagnez 10 dollars. Si elle pose 50, vous gagnez 5 dollars, et ainsi de suite. Et ensuite, en profondeur, c'est-à-dire le filleul du filleul, vous allez gagner un petit peu moins et un petit peu moins à chaque fois jusqu'à 10 niveaux. Donc ça reste très intéressant puisque le premier système d'affiliation, vous gagnez jusqu'à 30%, donc c'est pas rien du tout. Et ensuite, donc ça arrivera bien entendu au fur et à mesure de la construction des équipes entre vos directs et les filleuls de vos directs, etc. Et ensuite, vous avez aussi des gains de commission qui arrivent de la part des gains qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire 10% sur les gains de vos filleuls. Alors c'est bien sur les gains et non pas sur les dépôts. Donc si votre filleul, par exemple, a gagné 10 dollars, eh bien, vous gagnez 10% de ces 10 dollars, soit 1 dollar, et ainsi de suite. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de centimes qui se rajoutent, on va dire, tous les jours à travers les filleuls directs et les filleuls indirects sur une base qui peut aller cette fois-ci sur la base des gains jusqu'à 25%. Donc, on a 30% d'un côté et 25% de l'autre. Donc, c'est énorme. Et bien entendu, avec vos gains. Donc, tout ceci cumulé, bah, comme on peut le voir, par exemple, en ayant commencé juste le 7 décembre, eh bien, en l'espace de 10 jours, j'avais déjà amorti, j'ai amorti 100% de mon pack. Je pouvais soit faire un retrait, ou soit éventuellement je les ai réinvestis. C'est comme on peut le voir ici, je les ai réinvestis. Donc, on va faire un petit tour du back-office. Donc, il est assez simple. En fait, ici, vous avez vos gains, ici, le total des gains que vous avez gagnés, ici, les gains de vos filleuls, enfin, que vos filleuls vous ont rapportés.
Ici, le dernier bonus, on va dire, de filleul, et ici, le total de vos investissements. Ensuite, on peut suivre tout ça ici aussi. Donc ici, on a les investissements, les trois plans différents. Donc les trois plans, bien, vous allez gagner à partir de 10 dollars jusqu'à 1000 dollars. Alors c'est 10 dollars, mais le premier dépôt quand vous commencez, c'est 50 dollars. Ensuite, bien entendu, si vous souhaitez réinvestir, au lieu d'attendre comme moi d'arriver à 60 dollars, en fait, moi j'ai laissé simplement monter pour voir un petit peu si ça fonctionnait. Mais à partir de 10 dollars, la prochaine fois, je réinvestirai pour acheter un nouveau plan. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va faire en fait du cumul comme ça, et c'est comme ça qu'en fait mon pack va grossir tout simplement et rapporter plus d'argent. Donc entre 10 et 1000, on gagne 20% par mois, et ceci indéfiniment, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, donc c'est tous les jours où vous faites des gains. Ici entre 1000 et 5000, même chose, mais pour 22,5% chaque mois. Donc bien entendu, les gains de la journée se rajoutent tous les jours, donc ça fait énormément de gains. Et entre 5000 et 200 000, bien entendu, là vous gagnez 25% par mois. Donc bien entendu, à travers ces plans, bien chacun fera un petit peu son calcul, voir en fait sur quelle base il souhaite démarrer et faire des gains. Donc ici on peut voir mes investissements. Donc mes investissements, bien le premier investissement que j'ai fait, c'était 50 dollars, et ensuite le dernier, c'était samedi avant-hier. Donc on est le 19, donc j'ai dû faire ça le 17, samedi 17. Et voilà, j'ai investi, on va dire, les 60 dollars qu'il y avait, on va dire, en compte. Ici, c'est l'invest historique, donc on peut revoir ici le démarrage. Alors ici, le pack de 60, ici, le pack de 50, et on a les rendements journaliers. Donc par exemple, ici, on a gagné dans le profit journalier, on a fait 40 centimes. Mais si j'avais eu un pack de 600 dollars, j'aurais eu 4 dollars. Si j'avais eu un pack de 1000 dollars, bien j'aurais eu beaucoup plus. Ok, donc c'est tout simple en fait à comprendre. Ici donc, add funds, donc ici c'est quand vous souhaitez investir, vous cliquez là-dessus. Vous faites votre dépôt en USDT. Alors vous pouvez le faire ici en carte bleue, mais la carte bleue c'est le même principe, ça va vous ramener de toute façon à acheter des crypto-monnaies. Donc il vous faut un porte-monnaie de type Binance, Bybit, etc. Bon, bref, quelque chose qui puisse vous permettre d'acheter en USDT. Et ensuite, vous faites votre dépôt. Alors, le dépôt, pour les personnes qui feront un dépôt de 500 dollars, vous allez pouvoir avoir un petit bonus de 50 dollars de plus ajouté à votre compte. Donc, c'est 500 dollars et plus, bien entendu. Alors, dans certaines présentations, on parle de 200 dollars, mais ça, c'était pour le lancement. Aujourd'hui, le lancement officiel est lancé depuis samedi 17 décembre. Et donc, on est dans le lancement officiel. Donc, maintenant, la fusée est partie. Il va y avoir des nouveautés qui vont arriver à partir de ce moment-là. L'avantage, ben, une fois que vous êtes enregistré, même gratuitement, vous pouvez aussi cliquer là-dessus et rejoindre le groupe Telegram pour avoir les dernières informations. Éventuellement aussi, les liens de Zoom qui pourront être faits pour les présentations, etc. Bref, vous pouvez vous informer là-dessus. Alors ici, ce sont l'historique des fonds. Donc comme on peut le voir ici, j'ai démarré le 7 décembre 2023, dans l'après-midi. Ici, donc j'ai acheté un pack de 50 dollars et j'ai commencé tout simplement mon travail. Ici, dans les transactions, bah là, c'est en fait toutes les transactions qui ont été faites entre les gains de niveau 1 ou les dépôts de niveau 1, etc. Pour l'instant, j'ai que des niveaux 1 puisque je n'ai pas encore de personne qui a tenté le parrainage. C'est un peu trop nouveau, on va dire, et puis on n'est pas forcément dans la bonne période. Mais je pense que d'ici la rentrée, ça va complètement exploser puisque tout le monde va pouvoir s'y mettre et avoir de gros résultats. Alors, les retraits, bien, c'est ici que ça se passe. Je ne vous montre pas puisque je n'ai pas fait de retrait, ça ne sert à rien. Ici, les référents, dans, ben, les filleuls, en fait, ce sont en fait toute la liste de filleuls. L'avantage, c'est que quand vous faites du parrainage avec ce type d'opportunité, dans mes filleuls, vous allez retrouver les adresses e-mail de vos filleuls. Donc, l'avantage, c'est que vous pourrez maintenir une communication avec eux, mais aussi faire, si vous n'avez pas de page capture, etc., vous distribuez simplement votre lien, les gens s'inscrivent et au moins, au minimum, vous avez le lien, l'adresse email pour pouvoir communiquer, les relancer, montrer vos résultats. Et c'est comme ça que progressivement, les personnes qui étaient potentiellement intéressées au départ, mais qui n'étaient pas forcément toujours chaud pour le faire, ou qui ont eu quelque chose à faire entre-temps et qui ont oublié qu'ils étaient sur Fédération, ben ça vous permet, vous, de maintenir la communication et de les relancer en temps, plutôt que de donner juste votre lien sur des opportunités sur lesquelles vous n'avez pas
la possibilité de relancer les personnes, où les personnes voient et ensuite vous ne savez pas ce qu'elles sont devenues. Là, au moins, même si la personne est inscrite en gratuit, vous avez leur email pour pouvoir les relancer. Alors ici, on peut voir par exemple tout ce qui est commission de référencement, c'est-à-dire sur les filleuls. On peut voir que l'équipe au total a déposé environ, enfin 400 dollars à peu près. Okay. Donc il y a des personnes qui ont investi 50 dollars et d'autres 100. Voilà, donc ce n'est pas des grosses sommes, mais ce sont des gens qui ont déjà tout simplement commencé. Alors là, j'en ai eu quelques-uns qui se sont inscrits dernièrement, qui n'ont pas encore commencé l'activité. Donc j'ai 9 membres d'équipe. Mais pour l'instant, on va dire tout le monde n'a pas forcément investi. Bon, l'avantage, c'est qu'on voit quand même que ça fonctionne, puisque on voit déjà là que j'ai juste avec les filleuls, j'ai gagné beaucoup plus que ce que j'ai investi au départ. Et donc c'est quand même une affaire qui marche très bien. Okay? Donc ici, on peut voir bien tous les rendements. Donc les rendements, on va dire, par rapport aux gains qui ont été faits. Donc ça, c'est les retours de gains. Ici, ça peut être 5 dollars, c'est un gain sur le dépôt. Ok, donc on peut suivre absolument toutes les activités comme ça. Voilà les amis, en fait ici s'il y a un problème avec le support, vous avez aussi le support ticket, etc. Et vous pouvez suivre éventuellement toutes vos activités. Alors bien entendu, on est dans une activité, dans une opportunité qui est vraiment très intéressante. Ceci dit, ça reste de l'investissement et comme toute opportunité et chose de la vie, eh bien forcément, il y a une notion de risque à prendre en compte puisque... Quelle que soit l'activité, que ce soit de l'investissement en trading, même avec le meilleur des traders, vous avez toujours une notion de risque. Alors, sur cette opportunité, on a éventuellement des bases qui permettent de vérifier que la société est bien en place, enregistrée en Angleterre, avec des gérants que l'on peut voir et qui apparaissent éventuellement lors de Zoom, etc., pour expliquer le devenir de l'activité. Bref, on a quelques moyens. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement sécurité maximum. Okay? On peut éventuellement se dire, bon ben voilà, ça peut être sympa, ça a l'air clair, ça a l'air net. Et ensuite, à chacun de décider de l'investissement qu'il va faire. Alors si, bien entendu, le but, ce n'est pas de risquer la totalité de ce qu'on a sur un compte, mais de se dire, bon ben voilà, je suis capable de risquer 50, 100, 200, 1000 dollars, pourquoi pas? Mais c'est à vous de voir et de juger en fait ce que vous êtes capable de risquer pour pouvoir gagner. Comme toute opportunité, vous n'avez pas autre moyen de le faire, même si demain vous vous lancez par exemple dans un business d'affiliation. Par exemple, l'affiliation, vous allez simplement vendre les produits de quelqu'un d'autre. Mais la notion de sécurité, c'est imaginons, aujourd'hui vous avez votre lien d'affiliation. Le produit est gratuit pour vous, il est complètement fait, il n'y a plus qu'à le proposer et encaisser des commissions. Vous commencez une campagne de promotion en payant de la publicité, donc vous mettez par exemple 1000 euros de publicité sur lequel vous allez promouvoir l'activité, et demain, la formation que par exemple vous souhaitez proposer disparaît parce que ben, le gars a décidé de la retirer du marché, et bien vos 1000 euros de publicité sont partis en fumée. Et vous ne pourrez même pas demander de remboursement. Donc, il n'y a pas de business qui n'est pas un business à risque. À partir du moment où vous-même vous souhaitez devenir entrepreneur libre financièrement, c'est la possibilité de prendre un risque soit en investissement dans l'affaire des autres, soit en développant votre propre affaire, mais ça va vous demander, on va dire, beaucoup de compétences et éventuellement un savoir-faire qu'on n'a pas forcément tous, pas même moi. Et donc forcément, on est obligé d'emprunter le travail des autres et de leur faire confiance et ensuite de prendre éventuellement surtout nos précautions pour ne pas aller trop loin dans notre prise de risque tout simplement. Donc Fédération Network rentre dans ce cadre-là. Vous pouvez investir. Ben moi, j'ai mis 50 dollars parce que j'estimais que pour faire un démarrage, c'était largement suffisant. La prochaine fois, je mettrai 100 dollars, puis ainsi de suite. Et quand j'arriverai à peu près à 1000 dollars, j'aurai une certaine rente. Je vais aussi opter pour l'investissement multiple, c'est-à-dire que ben, je vais diversifier, je ne vais pas rester qu'à Fédération, je vais investir dans d'autres sociétés. Donc c'est bien pour vous qui regardez cette vidéo de vous enregistrer tout simplement sur la newsletter que je propose sous la vidéo, dans la description. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre tout simplement de suivre les futures opportunités qui vont ressembler plus ou moins à Fédération ou à d'autres choses que j'estimerais éventuellement intéressante de vous partager et ensuite à vous de jouer et de voir ce qui vous convient le mieux pour pouvoir justement prendre
votre liberté financière vous-même. Voilà les amis, à très bientôt.